Merci beaucoup, Dolores. Nous aussi, on a été bluffés. On aimerait bien rester plus longtemps avec vous. Mais on parle d'un autre sujet qui est aussi passionnant. Ce sont les claquettes. On est avec Dominique Hervieux, directrice de la Maison de la Danse de Lyon, chorégraphe, danseuse. On a vu tout à l'heure l'âge d'or des claquettes, ce qui correspond avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 30. Dominique, à partir des années 70, les claquettes sont un peu oubliées. Mais c'est vrai qu'il y a une vague sur le cinéma américain qui balaie tout ce qui représente le passé. Voilà. Et dans les années 80, les claquettes reviennent à petits pas avec un monsieur qui s'appelait Gregory Hines. Ouais. Juste un petit mot sur lui. Un petit mot, c'est qu'il a été redécouvert grâce à Mikhail Baryshnikov, qui est un énorme danseur classique. Ils font un film. Encore une fois, c'est le cinéma qui remet en lumière les claquettes. Et là, il y a un vrai revival grâce à ce duo. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire période contemporaine, les claquettes sont incarnées par qui? Il y a un grand nom de la claquette, Michel Dorens. Michel Dorens qui est new-yorkaise. Alors il y a deux parties. Hein. Il y a la partie show avec Cap Dogs, les stompes qu'on connaît bien, les grands shows. Et puis voilà, là c'est Michel Dorens. C'est la partie plus claquette contemporaine, donc des auteurs qui écrivent des spectacles, mais quand même vraiment en maintenant la virtuosité des claquettes et qui inventent les claquettes d'aujourd'hui. Ouais. Alors Michel Dorens, attention, vous allez pouvoir la voir à la Maison de la Danse de Lyon du 7 au 11 mars, donc c'est dans quelques jours à peine, avec ce spectacle TM Double Down. Il faut y aller absolument, je ne sais pas si il faut y aller, c'est la coqueluche new-yorkaise hein, aujourd'hui, five stars partout, et c'est quasiment la première fois qu'elle vient en France. On a la chance de l'avoir en France, et c'est à Lyon, dans notre région, donc ne manquez pas cet événement. Et puis, il faut le dire, à Lyon on est très fiers, parce qu'on a une grande championne de claquettes, qui s'appelle Alice Kay, championne de France en 1951, et elle a transmis sa passion à sa fille. Et ensemble, elles ont formé pendant plus de 40 ans des amateurs, des professionnels. Donc c'est une école de référence aussi sur le plan national. Alors, Sylvie Kay, elle est avec nous. Quelle chance. Et elle va nous faire une petite démo. Et je vous laisse, moi je regarde ça de loin, pour l'instant. Pour l'instant, ça va venir votre tour. Donc Sylvie me disait tout à l'heure que ce qui est important dans les claquettes aussi, c'est d'exprimer des émotions. Exactement. Et on peut par exemple danser la gaieté. La gaieté. Alors, la danse de gaieté. Mais je suis venue parce que je veux. Ah, mais c'est bien, il faut voir. C'est pas possible, il faut que je m'approche, il faut que je vois. Et alors là, on va aller vers la danse de solitude, comme si on se levait le matin tout en douceur. Beaucoup de nuances, c'est une solitude quand même assez vivante, hein, on doit dire. Et puis, je disais tout à l'heure, le style de chacun des danseurs. Ouais. Il y a le style Sylvie Kay qu'elle va nous montrer. Alors. Elle est joueuse, hein, ça se sent. Le style. Moi, j'ai les pieds qui me chatouillent. Alors, Alain, ce qu'on va faire, on va faire notre petite choré. Je passe entre vous. Et Alain, il va faire le. On fait un show aujourd'hui. Et Alain, il fait la fin, le final de notre petite choré. J'ai du mal à coordonner les mouvements, donc il faut aller lentement au début. D'accord. Ouais. Je suis pas très bon hein, pour ça. Ouais, on pose. Non, ça va pas. Ce qu'on va faire, Alain, nous on fait la choré. Voilà, c'est ça. Et vous, à la fin, vous faites l'improvisation. Peut-être. Ça va? Ok. Alors, nous on fait la choré et Alain, il part en impro tout à l'heure. J'essaie quand même. Ouais, il faut essayer quand même. Accro et. N'importe quoi, moi. Ouais, bravo. Bravo. Voilà. Alors, un truc, j'ai rien fait, là. Je suis déjà essoufflé. Ah oui, c'est vachement physique. Ah oui, ça saute beaucoup, les claquettes. C'est le plus dur, c'est justement l'alternance sur les jambes. Bon, vous n'avez pas de micro, mais ça va passer par le mien. C'est un long apprentissage. Non, ça s'apprend très vite. Ça s'apprend très vite et progressivement par palier. C'est très agréable dès le début. Et c'est ludique, surtout. Ouais.
tout cas, c'est, bravo. Hein. C'est hyper efficace. Moi, il y a un truc que je remarque, c'est que les danseurs de claquettes ont toujours les bras comme ça. Oui, j'ai l'impression que c'est pour s'aider, ça aide à se maintenir en apesanteur. En légèreté et au-dessus de ses frappes. Le plus difficile en claquette, c'est justement doser ses frappes et toujours léger sur. Sinon, ça fait ouh. Donc, on est toujours un petit peu au-dessus du sol, comme s'il y avait la fumée qui passait dessous, comme sur des nuages. Oh là là, c'est merveilleux. Alors, je sais que vous êtes dans l'art et pas dans la performance. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de tapes qu'on peut faire, je ne sais pas, en deux secondes, en une seconde? Ça ne vous intéresse pas, mais c'est par curiosité. Si, il y a de ce genre de... Voilà. Ça, moi, ça me bluffe, ça me bluffe. Voilà, on en parlait dans l'oreillette, mais j'entends rien, évidemment. Alors, dernière démo. J'ai pas un truc que vous aimez faire, vous. Moi, j'adore ce qu'on a vu au début. Merci, on se sauve. Merci Sylvie Kay. Merci. Merci, c'était génial. Donc, les claquettes à la Maison de la Danse dans quelques jours, avec des ateliers possibles aussi. Alors, ça sera Sylvie aussi, Justement. Qui fera danser le public. Donc, on vient avant la représentation, on peut venir en basket. Hein. On n'est pas obligé d'avoir les fers. On n'a pas besoin des claquettes. Voilà, hein, on peut venir en basket. Et puis, en effet, elle transmet les bases avant le spectacle. Donc, le 10 mars à la Maison de la Danse, c'est limité en nombre de personnes, j'imagine. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Oui, autour de 40. Voilà, autour faut s'inscrire. Il vaut mieux s'inscrire ou réserver, mais venez, on fera de la place. Le 25 mai aussi, c'est le jour de la claquette aux États-Unis. On en aura peut-être un jour chez nous, parce qu'il y a les jours de n'importe quoi en ce moment. Mais c'est un jour de la claquette, et nous, on a le jour de la danse, mais en effet, peut-être qu'on va faire le jour de la danse africaine, le jour des claquettes, le jour... C'est pas vous qui vous y opposerez. Plus il y a de danse, plus le monde se porte bien. Merci beaucoup, Dominique Hervieux, merci à Sylvie Kay. On va dans les...